le show. Avec VX Show, bien sûr, on recommande son image, micro. On attaque avec la finale du tournoi des 70 kilos. Il sera dans le coin rouge et il se prépare, il est là, derrière. Il n'est autre que Vincent Corbin. Première reprise.
de la première reprise. Et quelle reprise, mesdames, messieurs, ce soir. Je crois que vous avez du grand, très grand spectacle du niveau international. On vous l'avait promis. Il y aura une deuxième et dernière reprise pour tenter d'enlever cette. Allez, bon, faut le faire. Là, t'es pas mené là. Oui. Ok. T'es pas mené du tout. Ouais. C'est bien, mon. Écoute, c'est super bien. Hein? Je suis pas comme toi. Mais maintenant, il faut y aller à la guerre. Il est cuit, il est cuit, vite. Si tu le tiens comme ça, c'est bon. Regarde, il a ses barres. Il est toi. D'accord, monte pas là, c'est fantastique. Moi, t'as quelque chose de fantastique. Soigneur de. Deuxième et dernière reprise. Thank you.
On y va au centre. Au centre, comme ça. Comme ça, au centre. Y'a Paolo, t'es mis là-bas. Fin de la deuxième et dernière reprise. Nous attendons la décision officielle pour savoir qui a remporté le tournoi, qui aura la ceinture du GFA ce soir à Nîmes. Exceptionnel combat qui s'est déroulé sous vos yeux. J'espère que vous avez pris du plaisir et vous ont donné vraiment tout ce qu'ils avaient. Ça s'est vu, ça s'est entendu. Ah, Pablo, Pablo. Pour remettre la ceinture. Le monde aussi exceptionnel. Allez, les combattants au centre du ring. La victoire est attribué ce soir, et le vainqueur du tournoi des 70 kilos et qui repart avec la ceinture du GFA est le point bleu du Chili, Pablo. Avec nous, Trastès qui est parmi nous et qui a remis la ceinture au vainqueur en place pour une photo souvenir. Bien sûr, il y a aussi les membres de Marco Benoît à l'honneur. Également Nicolas, notre partenaire, avec ses boissons énergétiques. Voilà, merci. Gracias. Voilà, les photos finies. Bravo, bravo, bravo. Pour ce tournoi, je m'associe à ce combat magnifique. Gracias. Bravo.